Ce lundi 11 décembre, Laetitia Hallyday est arrivée aux alentours de 21h30, heure française, au cimetière de l'Orient à Saint-Barthélemy, pour l'inhumation de Johnny Hallyday. Selon nos informations, les plus jeunes filles de Johnny et Laetitia Hallyday, Jade et Joy, n'ont pas assisté à l'inhumation de leur père. Laetitia Hallyday a rendu un dernier hommage à son mari en compagnie des enfants du chanteur Laura Smet et David Hallyday, qui sont arrivés main dans la main, et de leurs proches à l'instar de Jean-Claude Camus, de son manager Sébastien Farran ou encore de son ami guitariste Yarol Poupeau et l'artiste Yodelis, selon les informations données par BFM Télévision. Closer a publié une photo de la cérémonie sur laquelle on peut apercevoir tous les proches de Johnny, tous de blanc vêtus. Pendant ce dernier adieu à l'idolé des jeunes, sa femme Laetitia a craqué et a fondu en larmes. Elle a été immédiatement consolée par son beau-fils, David Hallyday. L'enterrement s'est achevé vers 22h30, heure de Paris. Sur les premières images du cortège dévoilé, on pouvait apercevoir le cercueil blanc de Johnny Hallyday. Une vingtaine de bikers se sont par ailleurs rassemblés pour entourer le cortège conformément aux volontés de Johnny Hallyday. Ce dimanche 10 décembre vers 21h, Laetitia Hallyday avait fait son apparition sur le tarmac du petit aéroport de Saint-Barth en compagnie de ses proches et du cercueil de Johnny Hallyday auquel elle a désormais fait ses adieux.